Ce projet d'exposition, Le design fait sens, est né d'un rapprochement entre Centre Sciences et Certes Essence en particulier et de toutes les initiatives autour du sensoriel et du design sensoriel. C'est une manière, maintenant que nous avons beaucoup travaillé pour les industriels, de montrer d'une manière pédagogique, vulgarisée, ce que sont les technologies du sensoriel. Le design sensoriel, c'est très simple. C'est une petite boîte à outils qui utilise tous nos sens, l'ouïe, le toucher, l'odeur, la vision, le goût même, pour venir compléter, alimenter la conception des produits. C'est-à-dire que ça nous permet d'être encore meilleurs dans la manière de concevoir un produit, non pas pour l'industrie, mais vraiment pour les gens qui vont les utiliser demain. Cette exposition a une capacité formidable de nous faire faire des expériences de vie autour de tout le sensoriel qui nous entoure. Donc dans cette exposition, Le design fait sens, il y a 12 tables d'expériences qui nous permettent d'aborder les domaines du design et du sensoriel. On va aller s'intéresser à comment on interagit avec les objets. Est-ce que des objets sont compris simplement? Donc, est-ce que c'est intuitif ou pas? On va aller s'intéresser à l'usage. Pour une même famille d'objets, est-ce qu'on va avoir la même gestuelle pour justement interagir avec ces objets? Et on va aller jouer avec nos cinq sens. Donc, on va les sentir, on va aller rechercher de l'émotion à travers différentes odeurs. On va aller toucher aussi la matière parce qu'effectivement, notamment cette table d'expérience qui présente deux états de matière est très intéressante parce qu'en fonction de l'état de la matière, si on est en laine ou si on est sur des plaques, on ne va pas du tout avoir la même sensation. Après, on va jouer sur des tests de classement, on va jouer avec les mots, classer des matériaux par rapport à leur relief, par rapport à leur dureté, aller trouver des tests triangulaires comme ça, quel est l'échantillon qui est différent des deux autres. Donc c'est jouer avec ses sens, écouter des sons, aller sentir des odeurs, tout ça pour mieux comprendre comment concevoir les objets. Alors cette exposition est formidable parce qu'elle nous permet déjà de comprendre quels sont les exemples industriels, comment tous les jours nous sommes confrontés à des produits qui sont designés d'une manière sensorielle, d'une part, mais aussi cette exposition nous permet de faire des tests. En tout ce qu'on fait un peu comme Monsieur Jourdain, d'une façon naturelle, eh bien en fin de compte, ça répond à des lois et ça répond à des expériences.